Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bon dimanche. Dimanche 5 mai, c'est le sixième dimanche du temps des Pâques de l'année liturgique B. Vous êtes bien en direct de la place Saint-Pierre, ensoleillée avec beaucoup de fidèles et pèlerins, et dans quelques instants, vous suivrez la prière mariale du Regina Coeli du pape François avec cette retransmission en direct des radios Vatican et Vatican News. De nombreux fidèles et pèlerins sont donc présents sur la place Saint-Pierre pour prier avec le Saint-Père. Nous vous saluons, vous tous qui nous suivez, en particulier ceux qui nous suivent à travers les radios et télévisions partenaires. Nous citons IWTN TV, KTO Radio France, RCF Radio Chrétienne en France, Radio Espérance, Radio Notre-Dame, Radio Salve Regina en Corse en France, Sancta Maria Network du Liban, Voix du Seigneur Média Catholique du Canada, Celle et Lumière TV, Radio et Télévision Catholique Elikia à Kinshasa, Radio Maria en République démocratique du Congo, Ecclesia TV des Côtes d'Ivoire. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent à travers Facebook, YouTube et via d'autres canaux. Pour vous accompagner, Stanislas Kambashi. Nous célébrons donc le sixième dimanche de Pâques. Au cœur des lectures que propose la liturgie d'aujourd'hui, nous trouvons les commandements de l'amour. Le Saint-Père pourra y revenir, il reviendra peut-être dans son exhortation. Et pendant que nous attendons l'apparition du pape François, l'occasion nous est donnée pour revenir sur ses prochains déplacements. Cette semaine, la salle des presses du Saint-Siège a annoncé deux visites pastorales du pape François, le samedi 18 mai à Vérone et les dimanches 7 juillet à Trieste, toutes les deux visites en Italie donc. Le pape François passera la journée du samedi 18 mai dans la ville de Vérone, où il rencontrera tour à tour les prêtres et les personnes consacrées, les enfants et les jeunes, puis les détenus de la prison de Montorio avec lesquels il partagera un déjeuner. Le pape participera également aux arènes de la paix, une grande manifestation répondant cette année au thème « Justice et paix s'embrasseront » et qui se déroulera dans les arènes romaines de la ville de Vérone. Et avant de quitter Vérone pour revenir au Vatican en hélicoptère, le Saint-Père présidera la messe au stade Bentegodi. Nous sommes toujours en attente du pape François qui nous livrera son exhortation de ce dimanche et priera les Regina Coeli avec les fidèles pèlerins présents sur la place Saint-Pierre. La salle des presses a aussi annoncé le programme de la visite pastorale du pape François à Trieste à l'occasion de la 50e semaine sociale des catholiques en Italie. Et déjà, le pape François fait son apparition sur la fenêtre des appartements pontificaux sous les acclamations des fidèles pèlerins, nombreux aujourd'hui sous ces beaux soleils de la ville de Rome. Le Saint-Père qui est aussi accueilli par la musique et qui salue les fidèles pèlerins. Écoutez son exhortation. Buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che dice agli apostoli non vi chiamo più servi, ma amici. Aujourd'hui, l'Évangile nous rapporte que Jésus a dit aux apôtres « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ». Qu'est-ce que cela signifie? Dans la Bible, les serviteurs de Dieu sont des personnes particulières auxquelles il confie des missions importantes comme Moïse, le roi David, les prophètes Élie jusqu'à la Vierge Marie. Ce sont des personnes entre les mains desquelles Dieu dépose ses trésors. Mais tout cela ne suffit pas, selon Jésus, pour dire que qui sommes-nous pour lui? Cela ne suffit pas. Il faut plus. Pour comprendre qui nous sommes pour Jésus, quelque chose de plus grand qui va au-delà des biens et des projets eux-mêmes. Il faut l'amitié. Il faut l'amitié.
Dès l'enfance, nous apprenons la beauté de cette expérience. Aux amis, nous offrons nos jouets et les plus beaux cadeaux. Puis, en grandissant, à l'adolescence, nous leur confions nos premiers secrets. Jeunes, nous offrons la fidélité. Adultes, nous partageons les satisfactions et inquiétudes. Âgés, nous partageons les souvenirs, les considérations et les silences des longues journées. La parole de Dieu, dans les livres des Proverbes, nous dit que baume et parfum mettent les cœurs en joie et la douceur de l'ami l'emporte sur les rêves. Pensons un instant à nos amis et remercions le Seigneur. Un espace pour penser à eux, à nos amis. L'amitié n'est pas le résultat d'un calcul ni des contraintes. Elle naît spontanément lorsque nous reconnaissons dans l'autre quelque chose de nous. Et si elle est vraie, elle est si forte qu'elle ne faiblit pas, même face à la trahison. Un ami aime toujours, dit les livres des Proverbes. Un ami aime toujours, comme nous le montre Jésus lorsque Judas, qui les trahit par un baiser, il dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Un véritable ami ne t'abandonne pas. Même lorsque tu commets une erreur, il te corrige. Il peut te réprimander, mais il te pardonne et ne t'abandonne pas. » Et aujourd'hui, Jésus, dans l'Évangile, nous dit que pour lui, nous sommes justement cela, des amis, des personnes chères au-delà de tout mérite et de toute attente, à qui il tend la main et offre son amour, sa grâce, sa parole, avec qui il partage ce que lui a le plus cher, ce qu'il est le plus cher, tout ce qu'il a entendu du Père, jusqu'à se fragiliser pour nous, jusqu'à se mettre entre nos mains, sans défense ni prétention, parce qu'il nous aime. Jésus nous aime comme des amis. Il veut notre bien et il veut que nous participions au sien. Et alors, demandons-nous, quel visage le Seigneur a-t-il pour moi, le visage d'un ami ou d'un étranger? Est-ce que je me sens aimé par lui comme un être cher? Et quel est le visage de Jésus dont je témoigne aux autres, en particulier à ceux qui font le mal et qui ont besoin de pardon? Que Marie nous aide à grandir dans l'amitié avec son Fils et à la répandre autour de nous. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus fere, alleluia. Deus, che per resurrezione Filii Tui, Domini Jesu Christi, mundum litificare degnatus est, presta quaesumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Exultum nunque usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Nous venons de prier le Regina Coeli avec le pape François
Avant cela, nous avons écouté son exhortation de ce dimanche et le pape poursuit. Chers frères et sœurs, j'envoie avec grande affection mes souhaits aux frères et sœurs des églises orthodoxes et de l'église orthodoxe catholique orientale qui aujourd'hui, selon les calendriers juliens, célèbrent la Pâque, que le Seigneur puisse les remplir de joie et de paix et puisse conforter, reconforter ceux qui sont dans l'épreuve. À eux, bonne Pâque. Je rassure de mes prières pour les populations du Brésil frappées par les grandes inondations, que le Seigneur accueille les défunts, réconforte les familles et ceux qui ont laissé leur maison. Je salue les fidèles de Rome et des différentes régions de l'Italie et du monde. Les pèlerins provenant du Texas, de l'archidiocèse de Chicago et d'autre part. Les étudiants de la scuola Saint-Jean de Passé et de Paris. Les étudiants provenant de Paris. Le groupe Human Life International. Le groupe Human Life International. Et le pape François continue à saluer les différents groupes des pèlerins présents sur la place Saint-Pierre aujourd'hui. I ragazzi della cresima di Cassano d'Adda, dell'unità pastorale del Tessino e della parrocchia Santa Maria del Rosario in Roma. Che saluto. Le pape François remercie aussi les bandes musicales des différentes parties d'Italie qui ont offert leur musique aujourd'hui aux fidèles pèlerins présents sur la place Saint-Pierre. Che da tempo attendono la bonifica dei territori più inquinati. Preghiamo per loro. Un saluto caloroso rivolgo alle nuove guardie svizzere. Le pape François qui salue aussi les nouvelles gardes suisses et à leur famille. À l'occasion de la fête de la garde suisse, le pape François qui demande d'applaudir pour les gardes suisses. Colgo con piacere l'associazione Metter. Les gardes suisses, certains ont prêté serment hier samedi. Grazie, grazie per il vostro impegno e continuate con coraggio la vostra importante attività. Per favore, les encouragements du pape François. Le pape qui demande de prier pour l'Ukraine qui souffre tant. Pour Palestine et Israël, pour qu'il y ait la paix. Afin que les dialogues se renforcent et puissent porter des bons fruits. Non à la guerre, oui au dialogue. Je souhaite à vous tous un bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Je salue les jeunes de l'Immacolata. Bon appétit et à nous revoir. Les salutations du pape François. Le pape François qui, au cours de son exhortation d'aujourd'hui, est revenu sur l'amitié, spécialement celle que nous offre Jésus. Pour Jésus, nous sommes des amis car il nous offre et il nous a offert ce qu'il a de plus cher. Le pape François qui a invité aussi à penser à nos amis et à remercier Dieu pour eux. Et il nous a posé la question, quel visage des seigneurs a-t-il pour moi? Est-ce le visage d'un ami ou d'un étranger? Et est-ce que je me sens aimé par lui comme un être cher, et quel visage nous témoignons nous-mêmes à ceux que nous rencontrons. Nous vous saluons, vous tous qui nous avez suivis, en particulier ceux qui nous ont suivis à travers les radios et télévisions partenaires, IWTN
KTO Radio France, RCF Radio Chrétienne en France, Radio Espérance, Radio Notre-Dame, Radio Salve Regina en Corse en France, Santa Maria Network au Liban, Voix du Seigneur Média Catholique au Canada, C'est les Lumières TV, Radio et Télévision Catholique et Liki à Kinshasa, Radio Marie en République démocratique du Congo, Ecclesia TV des Côtes d'Ivoire. Nous saluons aussi ceux qui nous ont suivis à travers Facebook, YouTube et via d'autres canaux. Vous trouverez un résumé de l'exhortation du pape François ainsi que d'autres informations sur notre site internet www.vaticannews.va. Vous étiez en compagnie de Stanislas Kambashi. Bon dimanche, Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ.